dire à tous les Sénégalais mes voeux de bonne et heureuse année 2023. Pour souhaiter une bonne et heureuse année à mes parents, Yalla yagal len fi lol, à ma famille, à ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous mes fans et tous mes amis. Merci beaucoup à la Diassan, je dirais. Merci beaucoup Biran, parce que c'est votre maison et c'est toujours un plaisir de vous y retrouver autour du micro. Merci et je profite de l'occasion pour dire à tous les Sénégalais mes voeux de bonne et heureuse année 2023. Mes voeux d'un pays qui a montré dans plusieurs facettes sa grandeur. En 2022, juste pour citer une petite chose, nous avons été reconnus comme un pays de football. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes allés à la Coupe du Monde la même année, comme c'était en 2000, les années 2000-2002. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc, ces succès, ces questions qui se posent par rapport à l'avenir de notre jeunesse et tout, que Dieu fasse qu'en 2023, ces souhaits-là deviennent des choses palpables pour régler nos problèmes. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à mes parents, Yalla yagal len fi lol, à ma famille, à ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous mes fans et tous mes amis. Voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici le 1er janvier, l'aube, de parler avec vous, parce que la radio reste quand même le premier médium. Et comme si on peut l'expliquer en wolof rapidement, radio bi moy ndayu lepp, moy jur lepp. Merci.